embrasée où brûle un feu grégeois. De l'échauguette est sorti un secret, tombé entre les mains d'un enfant. Il cherchait en vain, dans l'obscurité, une chouette blessée. Et il trouva, par hasard, qui dormait là depuis 1429, une vieille lance au sillage lumineux, et près d'elle, une lettre, à peine lisible. L'écriture affaissée semblait celle d'une main qui s'abandonne. Il y avait comme de la braise dans chaque majuscule. La signature était incandescente. Chevalier Fulgent du Puy du Fou. L'enfant tremblait, prenant la lettre. Il commença à lire. Ma chère Marguerite, ne m'attends plus. Je ne reviendrai pas. Tombé à Orléans, un boulet au visage. Sèche tes larmes. Avec Jeanne, tu as vaincu le feu par le feu. Petite salamandre, tu vas revivre. Soudain, l'enfant s'arrêta de lire. Son attention était attirée par la lance. Son regard, ébloui, était comme irradié par l'éclat d'une exhortation écrite en lettres de feu. Sur un médaillon, dans la garde de métal, sous la figure qu'il reconnut, de l'archange Saint-Michel terrassant un dragon. Lentement, il devina l'infinie portée des mots qu'il n'osait prononcer. Jeanne, Jeanne la Lorraine, va, fille de feu, va vers ce brasier où se consume d'une même flamme le corps de toutes les chevaleries. Va, fille de France. Cheval blanc. Si tu m'apprends à faire danser tes moutons, je t'apprendrai à faire danser ton cheval. Eh bien, tout de suite.
Mais tu danses comme un chevalier? Eh bien, justement, je veux partir avec les chevaliers, comme toi, Fulgent, à Orléans, et rejoindre Jeanne la Lorraine. Tu n'auras pas besoin de la rejoindre là-bas. Aujourd'hui, elle va faire étape au Puy du Fou. Elle m'a demandé de préparer pour elle une escorte de chevaliers cascadeurs pour aller libérer la France. Il n'y a autour d'elle que des hommes, tu sais. Une pastourelle ne peut pas se joindre à un convoi de guerriers. Mais Jeanne n'est elle-même qu'une simple pastourelle. Et pourtant, elle est devenue chef de guerre avec une armure de soldat. Eh bien, tu lui demanderas quand elle viendra ici. Je te laisse l'accueillir. Tour de garde! Levez les couleurs! Elle arrive! Marguerite, le chevalier Fulgent vous attend pour vous présenter son escorte de cavaliers. Jeanne, voici nos cavaliers d'élite. C'est à vous de choisir les meilleurs. Alors, éblouissez-moi.
Nous partons délivrer Orléans. Chevalier Fulgent, vous ne reviendrez ici, chez vous, qu'après la victoire. Mais qui donc gardera le château pendant mon absence? Elle. Oui, c'est à toi, Marguerite la Pastourelle, qu'il reviendra de protéger le château contre les Anglais. Mais je ne pourrai jamais. Je n'ai que mes mains frêles, tout juste bonnes à cueillir des roses ou les genêts en fleurs dans les douves. Eh bien, Marguerite, entre tes mains frêles, je remets ma lance. Elle te protégera et fera pour toi des miracles. Regarde. Cette lance de feu m'a été donnée par l'archange de lumière Saint-Michel, quand il m'est apparu dans une grande lueur à Don Rémy. C'est une arme du ciel. Elle t'ouvrira le rempart et donnera au donjon le feu sacré. Alors, la journée se termine. Vous êtes des pèlerins? Oui. Où allez-vous? À Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous venez d'où? De Bourgogne. Oula! Nous, on se méfie un peu des bourguignons. Ils sont avec les Anglais. Oui, mais pas les pèlerins de Compostelle. Non, bien sûr, puisque vous portez vos coquilles et que seuls les vrais pèlerins y ont droit. Justement, c'est le moment de l'Angélus. Et nous avons promis d'appeler tous nos amis de Bourgogne qui pèlerinent dans la campagne alentour. Thank you.
Celle de Lorraine. Le donjon. Non, mon ami, c'est comment ça passe. J'ai déjà assez de mal. Approche les gens. Oui, approche les gens. Ils se sont sauvés. Ils sont pas.